fin du monde commence en prison, comme une sorte de, d'incubation en fait, de l'histoire et du personnage. Le personnage s'appelle Joseph Kamal. Il est jeté en prison après un braquage auquel il a participé, mais un peu malgré lui. Son frère se fait tuer dans le braquage. Du coup, les premières pages nous plongent avec lui directement dans une ambiance très noire, qui est une perte en fait, de repères. Donc une espèce de première fin du monde qui ressemble un peu à la Divine Comédie, enfin l'enfer de Dante. C'est à la fois l'expérience d'une extrême violence, d'une extrême promiscuité, d'une extrême combine, contrainte, humiliation, enfin tout ce qui est la prison d'hier et d'aujourd'hui. Et un précipité de ce qu'a de pire la société humaine. J'ai beaucoup travaillé sur la prison pendant des mois et des mois pour faire ces petits 50 pages, en fait, qui laisse le personnage dans un état de grande misanthropie, évidemment. Après, il y a un deuxième tableau, parce que c'est un triptyque, mon livre, et qui est la fin du monde, à proprement parler. C'est-à-dire là, c'est dans un espace mental fantasmatique de vraiment la catastrophe, mais je la traite relativement rapidement, de manière presque lyrique, parce que c'est pas ça qui m'intéressait, hein, proprement parler, même si évidemment la moitié de l'Europe disparaît, et donc il y a une espèce d'accident nucléaire, ça fait que le personnage va s'échapper de prison, tout le monde, c'est le chaos général. Et là, il y a encore un événement que je ne dirai pas, pour laisser un peu de suspense, mais il va choisir, Joseph va choisir de rester dans la zone irradiée, la zone dangereuse, la zone interdite, et de faire sa vie là, parce qu'il ne veut pas rejoindre la société telle qu'elle se reconstitue en dehors de la catastrophe. Il choisit de rester dans la campagne, et là recommence un tableau, qui est un tableau de la Robinsonade, qui est aussi en tant que tel une fin du monde, c'est-à-dire c'est la réalisation d'un fantasme de si tout le monde disparaissait, si tous les êtres humains disparaissaient, qu'il ne restait plus que la nature, et des supermarchés où on pouvait se servir en tout cas pendant quelques temps, qu'est-ce qui se passerait, voilà. Donc ce roman me permet à la fois de réécrire le mythe de Robinson, qui est à la fois d'une grande... c'est un mythe donc, qui emporte quelque chose d'universel en nous, qui est ce fantasme de la solitude absolue dans la jouissance, dans l'absence de contrainte totale, et à la fois la folie que ça représente aussi de se dire « je n'ai plus besoin, pour être un homme, d'être avec d'autres hommes voilà. ». Et là commence donc le tableau qui est le plus grand tableau, le tableau le plus important, qui est une plongée dans la nature, dans les relations avec les animaux qui restent. Et donc, qu'est-ce que c'est que d'être tout seul? Donc, c'est vraiment un tableau de la solitude et de communion ou de non-communion avec la nature. Moi, le nature writing, ça ne m'intéresse pas du tout en tant que tel. L'histoire de castor qu'on va décrire, de saison qu'on décrit pendant des pages. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours la tension émotionnelle et humaine qu'il y a dans un paysage. Et pour ça, il faut un personnage, même si là, c'est un livre avec un seul personnage. J'ai été influencé, par contre, évidemment, par des livres qui parlent de la nature, et pour mon propre rapport à la nature, qui est devenu beaucoup plus fort ces dernières années. Et il y a un livre qui m'a beaucoup marqué pour la troisième partie, c'est La petite lumière d'Antonio Moresco, qui décrit bien ce que je veux chercher à dire également. C'est la fascination pour ce monde vivant qui grouille et qui se multiplie, et comment nous, les êtres humains, on est à la fois fascinés, attirés, mais aussi exclus de cette logique qui est une logique de vie pure et qui n'a pas de valeur en tant que telle. Je veux dire, qui ne dirige pas sa vie, sa puissance de vie, de printemps, de colonisation des espaces par la verdure, par telle ou telle valeur. C'est juste une puissance de vie. Voilà. Et ça, dans La petite lumière d'Antonio Moresco, c'est très fort. De même que dans Retour au fumier, par exemple, de Raymond Federman. Comment la ferme et les animaux assomme en fait de travail l'homme. Voilà. Et donc c'est pas une vision enchantée de la nature. Je pense pas que la nature sauve, contrairement au livre de Tournier, évidemment Vendredi ou les lames du Pacifique, qui m'a beaucoup frappé. Mais moi je prends pratiquement l'inverse, c'est-à-dire que la conclusion pratiquement morale à laquelle je cherche à aboutir, même si c'est évidemment pas appuyé, enfin j'espère, c'est que c'est pas le paradis sur terre et l'éternité comme le livre de Tournier, mais c'est au contraire Joseph arrive à la conclusion que si c'est impossible de vivre avec les autres, si c'est très difficile de vivre en société, voire affreusement cruel, c'est aussi impossible de vivre tout seul. Et puis il y a un grand livre aussi qui m'a beaucoup influencé, c'est Le mur invisible de l'auteure autrichienne Marlène Haushofer, qui est un livre qui est vraiment un Robinson féminin, aussi des années 60 comme Le Tournier, et qui a une vision aussi beaucoup plus sombre de la nature et qui est très intéressant sur les rapports avec les animaux. Qu'est-ce qui nous humanise et qu'est-ce qui nous déshumanise? En général, je ne fais jamais deux bouquins pareils, mais là, c'est terrible parce que c'est un livre en fait, où il y a pratiquement trois écritures différentes et trois livres
dans le même livre. Est-ce que ça m'a vraiment demandé énormément de travail ? Parce qu'à chaque tableau, quelque chose se recommençait. C'est-à-dire un tableau, une ambiance mentale, une manière de parler. C'est comme trois rêves qu'on fait dans la nuit, quoi. On peut enchaîner trois rêves sans qu'on voit les liens entre eux, et qu'ils ont trois ambiances différentes. Dans le premier, le récit est d'une extrême densité, le récit de prison. Il est relativement romanesque parce que c'est quand même une manière de s'attacher très vite au personnage, de le plonger dans une situation aussi difficile. Il est écrit en jeu. Après, en effet, la deuxième partie sur la catastrophe, c'est pratiquement un livre prophétique façon biblique, parce que quand de telles catastrophes arrivent, il y a quelque chose de l'ordre de la sidération qui fait que les mots sont difficiles à dire. C'est pratiquement juste un petit poème. Et la troisième partie a été extrêmement difficile à écrire. Là, je pense que c'est le texte qui m'a donné plus de mal depuis 10 ans que j'écris. C'est à la fois en jeu et en il, finalement. Il y a à la fois le monologue intérieur du personnage, qui permet qu'on reste avec lui. Et à la fois, il y a une espèce de voix plus extérieure, de narrateur en mission, on va dire, qui décrit la nature et qui décrit de manière un peu plus surplombante, mais de manière là aussi pratiquement poétique, quoi. La nature qui continue autour, ce qui peut être aussi relativement inquiétant. Mais là, pour la petite histoire, c'est vrai que ça a été extrêmement difficile parce que pendant 6 mois, j'ai écrit cette version de la Robinsonade, donc l'essentiel du livre, l'essentiel de ce que je voulais dire. J'ai mis 6 mois à écrire une version à la troisième personne, enfin, et j'étais contente d'en avoir fini. Et en fait, ça n'allait pas du tout, c'était extrêmement littéraire, je sais pas. Peut-être que j'avais été trop influencée par Julien Gracq ou par. Enfin, Et donc j'ai tout jeté, j'ai tout recommencé, alors que j'étais déjà dans un état d'épuisement terrible, parce que ça fait pratiquement 3 ans que j'ai écrit le livre. Mais là, à ce moment-là, je pense que j'arrivais au bout de. J'avais plus besoin de tous les échafaudages que j'avais mis, et je suis allée au cœur tout de suite. Donc c'est un livre où à la fin, plus on avance, plus le rythme se ralentit. À la fois, mais en même temps, c'est très court, mais autant au début, à chaque page, il se passe beaucoup de choses, mais en temps très court, autant à la fin, à chaque page, on a l'impression que c'est des semaines. Voilà. Parce que j'ai extrêmement densifié l'écriture. Mais d'ailleurs, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est toujours dans les livres que j'écris, comme ceux que je lis, je cherche la densité. Que chaque phrase soit plus riche en fait de toutes les phrases englouties qu'elle aurait pu être, de toutes les phrases qu'on a coupées autour d'elle.